Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bonsoir, peuple de Dieu. Et vraiment, c'est encore une fois avec une grande joie qui nous accueille. Nous, vraiment, toute l'équipe du Healing Service salue eux et vraiment un grand welcome ce soir. Et moi, j'ai envie vraiment courageux pour vraiment à l'écoute et vraiment pas hésiter à envoyer eux une requête aussi parce que nous là pour vraiment intercéder ensemble, prier ensemble avec eux parce que nous connaissons. Qui nous bondit, il répond la prière de ce bon enfant. Et mon content ce verset dans Isaïe 57:15, mon connaît mon désagéli, mais ça bien Ouais. réconforte moi parce que il dit que Dieu dit comme ça qu'il habite dans un lieu très haut et saint, mais Dieu y demeure aussi avec l'homme accablé. Que Dieu y demeure aussi avec ceux qui n'ont l'esprit abattu. Pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Alors, si ce soir, peut-être je donne un moment très difficile, que je sentis accablé, je sentis abattu avec peut-être une maladie, avec les problèmes qui peut-être peuvent abattre leurs autres. Mon vie vraiment courageuse pour dire que Dieu. Il dit à nous que il demeure avec l'homme accablé. Il demeure avec ceux qui ont l'esprit abattu. C'est qu'il est là ce soir pour qu'il redonne nous la vie, il revivifie notre cœur. Et vraiment, c'est une envie encourageante avec ce verset, cette promesse de Dieu que Dieu est avec nous. Alors, peu importe qui ce qu'ils ont pu traverser. En ce moment, mon vie des autres ce soir, mettre cette confiance en ce Dieu, en ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité et il est là avec nous. Et que rien n'est impossible à Dieu. Que tout est possible à celui qui croit. Alors que ce soir, nous croire dans la parole de Dieu, nous croire dans la promesse de Dieu, nous croire dans la prière de bons enfants de Dieu. Et que vraiment, quand nous crions vers lui, qu'il est là. Que Dieu est avec nous, l'étendait. Et cela met les pas trop courtes pour venir délivrer nous. Que la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher nous la vie, pour transformer nous la vie. Et qui vraiment les ranime nous ce soir, chacun d'entre nous. Vous connaissez, dans ces derniers temps-là que nous pouvons vivre, et beaucoup de personnes peuvent passer par un moment difficile, mais il y a l'incertitude qui parfois est capable d'installer, la peur capable d'installer. Mais ce soir, en rentrant dans la présence de Dieu, ce deuxième temps qui nous prend ensemble, qui vraiment nous capable, laisse-nous envahir par la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Tout ce qui nous besoin, il y a dans la présence de Dieu. Qui, pendant que le pasteur Steve emmène nous dans la louange, adoration, qui nous aussi, la continuité dans notre maison, nous louer, bon Dieu. Nous adorons, nous lèvent, nous la main, nous tapent, nous la main. Et vraiment, nous adorons ce Dieu vivant, ce Dieu qui est là avec nous, la continuité. Et aussi, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, le vénérable Eric pour vraiment apporter la parole de Dieu, on vient encourager, qui vraiment nous a un équerre, qui est vraiment disponible, qui est là, qui écoute, une oreille attentive à l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'une parole de Dieu, il suffit pour transformer nous la vie, non pas pour ce soir seulement, non pas pour une semaine seulement, mais pour l'éternité. Nous, la vie capable d'être transformée, ne serait-ce qu'il nous fait une porte et une attention spéciale à la parole de Dieu. Amen. Alors, avant qu'il nous aille dans la louange, adoration, laisse-nous vraiment nous capables de continuer, nous baisser la tête, nous prier, nous faire nous léger, nous vraiment accueillir le Saint-Esprit là que Dieu t'était. Laisse la présence de Dieu venir dans notre case là que t'étais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Papa, ce soir, nous vraiment, avec un cœur joyeux, avec un cœur vraiment qui nous connaît, qui est un Dieu qui est là, qui est déjà là au rendez-vous. Que peut-être nous, parfois, nous gagnons tiré tort, mais toi, ce soir, tu es déjà là au rendez-vous à l'heure. Et papa, nous te t'en merci, qui vraiment te là avec nous, te dire quand deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous capables, chacun chez nous. Mais nous connaissons, Seigneur, en esprit, nous là ensemble, avec tout le peuple de Dieu, et nous connaissons de là avec nous. Nous te prends toute la place, nous invite-toi, Saint-Esprit. Viens et vraiment préside cette rencontre,
ce healing service, que c'est toi qui peux toucher les vies, Seigneur. C'est toi qui peux transformer les vies. C'est toi qui peux guérir, qui peux restaurer ce soir. Vraiment, nous te merci, papa. Que vraiment, tu es un Dieu qui est bon. Tu es un papa qui vraiment donne de bonnes choses à tes bons enfants. Et nous envie de louer toi ce soir. Seigneur, comment nous rendre dans la louange, adoration? Comment nous pouvons louer toi? Mon prier que vraiment te l'onction, les pour descendre. Te l'onction, te puissance, Seigneur Dieu, pour vraiment couler dans chaque vie, chaque maison, Seigneur Dieu. Te l'onction, te puissance, pour descendre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia, salut à vous tous et bienvenue à ce live ce soir. Et c'est vraiment un plaisir pour retrouver vous et pour capable louer le Seigneur et adorer le Seigneur ensemble avec vous. Certainement, et tous ceux qui peuvent regarder nous-mêmes, capable que tu étais très loin, un pays lointain, hein? Mais le Seigneur il est partout dans la terre, là. Il est partout et sa présence les partout. Amen. Et on va commencer, moi pour dire juste un psaume, quelques versets dedans. Le psaume 84, verset 1er, dit dire, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Amen. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Amen. Quand je dis la bonté a des fondements éternels, la bonté de Dieu a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Amen. Et le Seigneur, sa bonté a des fondements éternels. Amen. Et c'est pour cela ce soir, nous chanter de tous les cœurs, nous chanter pour sa gloire ce soir. Je t'adore, je te loue.
Alléluia, Seigneur. Oui, tu es le sauveur de mon âme, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Quand tu es grand, tu es merveilleux, tu es admirable, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur, comment nous pouvons chanter et louer toi? Oui, amène-nous de plus en plus, plus près avec toi. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous qu'à chanter, continuité, là, partout, donne-nous la maison ou le lieu, continuité. Nous qu'à parler à toi. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Merveilleux, étonnant, tu es Dieu et tu opères des prodiges, conseiller, Dieu puissant. Merveilleux, étonnant, tu es Dieu et tu opères des prodiges, conseiller, Dieu puissant, tu es Dieu d'être adoré. Merveilleux, étonnant, tu es Dieu et tu opères des prodiges, conseiller, Dieu puissant, tu es digne d'être adoré. Merveilleux, étonnant, tu es Dieu et tu opères des prodiges, conseiller, Dieu puissant, tu es digne d'être adoré. Tu es Dieu d'être adoré. Tu es Dieu d'être adoré. Seigneur, vraiment, reçois nos louanges, nos adorations ce soir. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh oui, Jésus. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit mon Dieu, ô Saint-Esprit, ô oui, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, alléluia, ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Un beau cri, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est lui qui m'invoque le nom du Seigneur, Seigneur Jésus, invoque le nom, Seigneur Jésus, au Ramaba, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, au Ramababa, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, au Ramababa, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Seigneur Saint-Esprit, de me voir, Seigneur. De me voir, Seigneur, dans nous les quais, dans la maison où nous sommes, Seigneur. Même à travers les lunettes, à travers les saisons, les zones, Seigneur. À travers les réseaux sociaux, Seigneur. À travers Internet, Seigneur. Oui, Seigneur, là, écoute, chaque personne, je t'étais, qui t'emporte nous dans ta présence. Oui, enveloppe-nous la vie. Et qui vraiment, Seigneur, te rend nous sensibles à toute la voix, de parole qui peut être prêchée ce soir. Et qui vraiment te parole est une puissance extraordinaire pour libérer, pour guérir, pour délivrer, pour transformer les vies, Seigneur. Et qui te nomme d'imprimer ce soir à travers sa plateforme, là, Seigneur. Qui te nomme pour glorifier, te nomme pour être élevé encore, te nomme pour être béni, te nomme pour être, oui, Seigneur, te pour faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Ben, l'équerre pour transformer ce soir dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Steve, vraiment pour ce beau temps de louange, adoration. Et ce soir, saluez tous dans le précieux nom de Jésus. Merci à tous ceux qui écoutent nous sur Facebook ce soir, que ce soit à l'île Maurice. Et dans d'autres pays à travers le monde, c'est vraiment un plaisir, tous les mardis soirs, qui nous capables de réunir devant le trône de grâce de notre Seigneur Jésus. Pour nous louer, bon Dieu, glorifier, bon Dieu. Dieu y habite dans la louange de son peuple et nous connaît qui, bon Dieu, il prend plaisir quand nous louer lui. Ce soir, nous passons maintenant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est importante parce que c'est là que nous, la foi, les reposer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quand nous donnons la parole de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, et que cette parole descend dans nos cœurs, que nous croyons dans la parole de Dieu, et elle est sortie de nous la bouche, que nous confessons la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante pour nous, frères et sœurs. La parole, elle est esprit, elle est vie. Ce soir, moi, j'ai envie de commencer une série d'enseignements sur la parole de Dieu, ce Dieu de miracles. Et le sujet de cette série d'enseignements, c'est qui bon Dieu les prend plaisir pour faire ce qui est impossible, vienne possible. Dieu lui prend plaisir pour faire ce qui est impossible, vienne possible. Presse. Ce soir, première affaire qui est importante, qui nous comprend, c'est que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme, l'impossible à Dieu. N'a peine n'en est trop difficile pour le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, la Bible est remplie d'exemples qui démontrent nous la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qui nous capable penser, au-delà de tout ce qui nous capable imaginer, nous bon Dieu, il est capable de faire lui. Et ce soir, il est important qu'il nous réalise, qui à la mesure de nous la foi, à la mesure bon Dieu pour opérer dans nous la vie. Qui quantité la foi nous a dans sa bon Dieu là? Qui quantité la foi nous a dans sa parole? Dans ce promesse, parce que à la mesure de nous la foi, à la mesure bon Dieu il peut agir. Si nous la foi est petit, bon Dieu pas pour agir beaucoup. Mais si nous la foi est grand, Dieu il peut agir à la mesure de nous la foi. Alors c'est pourquoi
cette série d'enseignements pour permettre de nous réaliser que ce qui est impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Il n'y a aucune limite de ce qui est bon Dieu capable de faire. Et dans les mois à venir, à travers des exemples de la Bible, nous pouvons trouver comment les choses, les situations qui paraissent impossibles, bon Dieu fin faire divine possible. Ce soir, nous pouvons être le premier cas. Le cas d'Abraham. Abraham, connu comme le père de la foi. Tout d'abord, nous trouvons l'appel de Dieu à Abraham. Dieu appelle Abraham et bon Dieu donne une promesse à Abraham. Une promesse qui paraît impossible pour réaliser. Et pourtant, Dieu fit tenir sa promesse. Je connais Abraham qui a 75 ans quand bon Dieu fit appeler. Abraham était à Charan. Quand Dieu te dit les paroles suivantes à Abraham, dans la Genèse au chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous avons un de verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham, bon Dieu fait dire une promesse. Bon Dieu dit qu'il est pour faire de Abraham une grande nation. Le frère et sœur Abraham, qui est déjà un an, 75 ans. Abraham n'a aucun enfant. Et ce madame, Sarai, tient 65 ans. Un âge que normalement la médecine dit n'est plus pour capable de gagner des enfants. Mais quand bon Dieu dit à Abraham, quitte le pays, quitte l'endroit, viens dans l'endroit qui m'a pour montrer toi, m'a pour faire toi une grande nation. Bon, Abraham n'a pas fait une question, bon Dieu. Abraham n'a pas fait une doute de la promesse de Dieu. Il n'a pas une doute de la parole de Dieu. Abraham n'a pas servi sa logique humaine pour questionner bon Dieu, pour dire bon Dieu, mais 75 ans à cette heure-là pour gagner des enfants. Non, Abraham. Pas fin à aucun moment donné, questionne bon Dieu. Mais la Bible dit qu'Abraham, immédiatement, il obéit bon Dieu. Il prend ce madame, Sarai, et ce neveu, Lot, et il fait en route pour une destination qui, au départ, les mêmes des participants connaît. Qu'il peut aller. Nous lisons dans la Genèse au chapitre 12, versets 4 à 5, ces versets. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham, donc, il recevait une promesse mondiale. Qui mondiale pour faire Abraham, sur une descendance, pour venir une grande nation, qui a beaucoup de descendants. Mais deuxièmement, nous trouvons que mondiale lui répète. Réitère sa promesse à Abraham. Dieu répète sa promesse là. Parce que qui fait bon Dieu, il répète sa promesse là. Parce que la promesse de Dieu a fini réaliser du jour au lendemain. Ban l'année fin passée et Abraham toujours pas tient enfants.
Abraham, a priori, peut-être, tu commences découragé. Quand bon Dieu divine vers Abraham et divine rassure Abraham que la promesse qui bon Dieu fait à Abraham pour faire lui une grande nation, sa promesse-là est encore toujours tenir bon. Et sa promesse-là, bon Dieu lui pourra accomplir lui dans seul temps et selon sa volonté. Nous lisons dans la Genèse au chapitre 15, 1 à 6, ces versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Prochain verset. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée aussi, ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il le lui imputa à justice. Là, nous trouvons qu'au départ, Abraham fait en quelque sorte un reproche bon Dieu. Il dit, bon Dieu, tu n'as pas fini de donner moi une postérité. Et Éliézer de Damas, qui est dans la case, l'époux ma postérité. Mais bon Dieu dit, allez, non, ce n'est pas Éliézer de Damas qui peut te hériter. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, ça veut dire c'est celui qui peut sortir de ton propre, la chair, c'est lui qui peut te hériter. C'est l'assurance que bon Dieu donne à Abraham. Bon Dieu dit catégorique, il dit, c'est l'enfant qui peut naître de la chair, c'est lui qui peut te hériter et non pas Éliézer de Damas. Regardez, frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui est toujours fidèle à toutes ses bonnes promesses. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu, il y a un oui et un amen en Jésus-Christ. La Bible dit à nous comme cela que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il fait. Tout ce qu'il bon Dieu dit, frères et sœurs, il fait. Et aucune parole, pas pour sortir, quand il sortit de la bouche de Dieu, il pas pour retourner vers Dieu, tant qu'il n'est pas fini de produire ce l'effet. Bon Dieu répète la promesse à Abraham, qui lui pour gagner un enfant, et pour montrer la preuve qui bon Dieu pour nous, ce parole et que ce promesse. Bon Dieu dit à Abraham, Anual Deo, sorti Deo, lève-toi la tête, guette le ciel, guette les étoiles qui est dans le ciel. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu es capable de compter. En d'autres mots, il y a tellement d'étoiles dans le ciel qui Abraham pas capable de compter, tellement il y a beaucoup d'étoiles. Et bon Dieu dit, telle sera ta postérité. Ta postérité, ton descendant, les plus nombreux que les étoiles qui est dans le ciel. Et là, sa base, là, Abraham fait une croix. Moi, je crois que tous les soirs, ça c'est moi qui dis ça, Abraham, sûrement tous les soirs, il y a le déo,
il guette le ciel, il trouve tout ça dans les étoiles là. Il dit, telle sera ma postérité, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, aussi nombreux aux descendants pour être. Abraham fit une croix dans la promesse de Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. En anglais, il dit, Abraham believe God, il croit dans ce qui est bon Dieu, il dit, qui se descendant les pour aussi nombreux que les étoiles, qui les pour gagner un héritier qui peut sortir depuis son propre les corps. Abraham fait une croix dans mon Dieu. Et cela est fait imputé à justice. Mais troisièmement, bon Dieu, il répète ce promesse à Abraham. Bon Dieu, il fait des guettes bonnes étoiles pour qu'il soit capable de comprendre quelle quantité de descendants les poignants. Mais je te connais troisièmement, parfois, bon Dieu, Diano Atan. Atan, avant qu'il promesse là, l'est accompli. Nous regardons le troisième point. Que l'attente avant l'accomplissement de la promesse. S'il est vrai, frères et sœurs, nous allons changer de slide. S'il est vrai que Dieu est fidèle à sa promesse, il est aussi vrai que Dieu est souverain. Et Dieu seul qui peut décider quand sa promesse-là peut être accomplie. Dieu, frères et sœurs, jamais dit en retard. Bon Dieu, jamais dit en avance. Dieu dit toujours on time, every time. Et la volonté de Dieu, la volonté suprême de Dieu, les primer de nos volontés. Nous, parfois, nous avons envie qu'il m'aurait fait la vie. Et Dieu, parfois, il demande nous qui nous comme ça, attendre. Et dans cette période d'attente, que Dieu les fortifie nous, donne-nous la foi. Mais quel problème qui est arrivé avec Abraham? 10 l'année fin passée. Abraham tient à 75 ans. Comme on dit, il donne lui la promesse qu'il est pour faire une grande nation pour la première fois. 10 ans après, pas une année, 10 ans après, Abraham toujours pas tient à ses enfants. La promesse pas tient encore être accomplie. Alors Sarai, la femme d'Abraham, lui propose à Abraham, lui dit Abraham, en quelque sorte, lui dit Abraham, bon Dieu, pas encore de nous enfants, à nous donne bon Dieu un petit coup de main pour qui bon Dieu accomplisse cette promesse. Ça, c'est une grave erreur. Nous pas donne bon Dieu un coup de main. Dieu lui-même lui décide quand et comment lui pour accomplir cette promesse. Mais là, nous trouvons malheureusement que Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai, malheureusement. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, après 10 ans, qui bon Dieu fin fait sa promesse, la patine à ses enfants. Et Abraham alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Au lieu qu'ils attendent, qui bon Dieu accomplit sa promesse dans les temps qui bon Dieu fait fixer. Là, nous trouvons que Sarai, la femme d'Abraham, avec la complicité d'Abraham, lui décide pour prendre les choses en main et précipite les événements pour gagner un enfant en désobéissant à Dieu. Se désobéir à bon Dieu. Je n'essaye de précipiter les événements. Je n'essaye de prendre les choses en main.
Et c'est ainsi que Agar finit de tomber enceinte et il gagne un garçon qui vient appeler Ishmael. Ishmael, que dans le livre de Galates, l'apôtre Paul décrit comme l'enfant de l'esclave par rapport à Isaac, l'enfant de la promesse. Je dis dans Galates chapitre 4, verset 23, mais celui de l'esclave, ça veut dire Ishmael, naquit selon la chair, et celui de la femme libre, Isaac, naquit en vertu de la promesse. Et là, nous trouvons que dans la Genèse, au chapitre 16, verset 15 à 16, il dit que Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom Ishmaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Abraham et Sarai désobéirent à bon Dieu. Papa gagne les enfants, je ne décourage, je n'essaye de faire gagner les enfants par d'autres moyens, en utilisant une astuce humaine, en désobéissant à Dieu, et c'est ainsi qu'Ishmaël finit. Mais nous connaissons quand bon Dieu fait une promesse. Bon Dieu tenir sa promesse. Alors, le quatrième point, nous trouvons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, frère. Ça peut non, il n'y a personne capable de comparer à nous, bon Dieu. Malgré la désobéissance d'Abraham, malgré l'infidélité d'Abraham, Dieu demeure toujours fidèle à ce promesse. Bon Dieu n'a pas fait oublier ce promesse. Les Indiens, pour faire les descendants d'Abraham pour venir une grande nation. Les dire qu'Abraham te pour gagner un enfant qui sortit de ta propre chair. Et Dieu lui tenir sa promesse. C'est ça, nous, bon Dieu. C'est pourquoi on appelle lui bon Dieu, parce qu'il y a un Dieu de vérité, un Dieu qui tenir sa promesse, qui sa parole, lui toujours tenir du bout, lui jamais renier sa parole. C'est ainsi, quand Abraham tient à 99 ans, rappelle, à l'âge de 75 ans, bon Dieu, il annonce de sa promesse-là à Abraham. Et 24 ans après, 24 ans, frères et sœurs, bien attendre, à l'âge de 99 ans, bon Dieu honore sa promesse. Bon Dieu, il envoie un ange à travers un homme pour dire à Abraham que le moment fin vini pour qui sa promesse, qui bon Dieu ne fait à l'île, qui ne peut gagner un enfant, qui dépouvine une grande nation, les temps fin arrivés pour qui bon Dieu réalise ce promesse. Et là, nous lisons ces versets dans Genèse, au chapitre 18, versets 10 à 14. L'un d'entre eux dit, dit à Abraham, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Nous continuons dans le prochain. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Là, nous trouvons, frères et sœurs, la Bible dit à nous dans le verset 11, Abraham et Sarah, t'es vieux.
La Bible met l'emphase là pour nous comprendre l'impossibilité pour ce grand enfant. Il dit à Abraham et Sarah, tu vieillis, avancé en âge. En d'autres mots, nous connaissons Abraham, tu es dans 99 ans. Sarah, tu es dans 89 ans. Et la Bible dit, Sarah n'est plus capable d'espérer un enfant. Impossible à l'homme. Mais possible à Dieu. Et c'est pourquoi, quand l'ange, Dieu, à travers l'ange, dit à travers cet homme, Dieu dit à Abraham et Sarah, qu'il pourrait venir à cette même époque, et Sarah pour gagner un garçon, dans le verset 10, Sarah, que tu peux écouter, il n'est plus capable de retenir lui-même, et il fait une riée. D'une riée à l'intérieur de lui-même. Sarah riait parce qu'il n'est pas croire qu'il vraiment n'est pas capable d'avoir des enfants à l'âge 89 ans. C'est souvent des fois, frères et sœurs, quand bon Dieu donne nous une promesse, parfois nous laissons-nous guider par nos propres intelligences, par nos propres expériences humaines, par nos propres logiques humaines, pour questionner promesse bon Dieu et parole bon Dieu. Alors qu'il suffit uniquement de croire et ne pas douter. Quand Dieu donne une promesse, il faut uniquement nous croire et ne pas douter. D'ailleurs, Jésus dit à Marthe et Marie, dans Jean au chapitre 11, verset 40, Jésus dit à Marthe et Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Nous ne pouvons pas bouger un peu le slide, Kevin. Bon Dieu dit, Lazare était déjà mort 4 jours quand Jésus-Christ vint au tombeau. Et Jésus dit, Marthe et Marie, si tu crois, tu trouves la gloire, bon Dieu. Et comment tu trouves la gloire, bon Dieu? Jésus fait une ressuscite. Lazare. Ou encore, tu as un homme. Ce garçon, tu possédais d'un esprit impur. Et Jésus, tu dis à ce papa, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, frère. Tout veut dire tout. Tout est possible à celui qui croit. Nous besoin croire. Nous besoin être à la foi dans nous, bon Dieu, nous pas questionner la parole de Dieu. Nous pas questionner la promesse de Dieu. Et bon Dieu dit à Sarah, bon Dieu dit à Abraham, comme on dit, tu dis à eux, l'année prochaine, je peux gagner un garçon. Sarah, il riait, il n'est pas les croire. Mais bon, Dieu, est-ce qu'il y a une quelque chose trop difficile pour le Seigneur dans le verset 14? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En anglais, dire, is there anything too hard for the Lord? N'a peine n'en est trop difficile pour le Seigneur, frères et sœurs. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Nous, bon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Nous, bon Dieu, c'est le Dieu de miracles qui est capable de faire au-delà de tout ça qu'il est capable de penser. Si souvent, des fois seulement, Dieu attend jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment que nous finissons tous nos efforts, que nous n'épuisons tous nos recours humains, que nous n'est plus capable de faire n'ennier. Et quand nous n'est plus capable de faire n'ennier, nous donne sa situation-là à Dieu. Et Dieu dit intervenir pour faire le miracle dans nous la vie. Je veux dire qu'il fait bon Dieu intervenir quand nous n'est plus capable de faire n'ennier. Pour qui nous réaliser qu'il faut des bon Dieu, faut des Dieu qui n'est capable de faire ni. Nous pas capable de faire ni. Et là, nous donne toute la gloire. Bon Dieu. L'apôtre Paul,
qui finit vivre des centaines d'années après, dans Romains, l'épître aux Romains, dit faire un commentaire sur cette histoire d'Abraham et Sarah, comment ils ont gagné un enfant dans une vie sourde. Il dit comme cela, espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'un papi qui n'a aucune espérance, c'est encore espéré. Abraham crut d'y croire en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Écoute sa parole là bien, sans faiblir dans cela la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le fait qu'Abraham pengait sa situation avec son lisier physique, qui se l'écho à 90, presque 100 ans, il disait, Sarah n'est plus capable d'avoir des enfants. Abraham ne marche pas la vue, mais il marche pas la foi. Abraham n'a pas fait une douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il dit croire dans la promesse de Dieu. Et cela lui fait d'être fortifié par la foi. Dans cela, il donne la gloire à mon Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça qui bon Dieu dit, même lui paraît impossible à l'homme, même nous capables pas comprendre avec nous l'intelligence, ça qui bon Dieu dit, il peut faire et nous besoin croire en lui. Parfois, bon Dieu attend jusqu'à la dernière minute, mais nous connaît qui. En définitive, la clé pour nos miracles, la clé pour mon Dieu réalise ses promesses, c'est nous la foi. Nous devons croire comme Abraham, frère, qui tient dans la pleine conviction que ce que mon Dieu lui promet, lui peut accomplir. Et ce soir, qui est vraiment pour chacun d'entre nous, nous capables de garder la foi là en Dieu. Dieu est un Dieu de miracles et Dieu inaccomplit sa promesse. Abraham vient d'attendre 25 ans, mais au moment opportun que Dieu vient choisir, bon Dieu, il fait l'impossible, vient possible. Qui Sarah, qui tient 89 ans, Abraham, qui tient 99 ans, Sarah vient tomber enceinte d'un garçon. Et à l'âge de 90 ans, Abraham tient à 100 ans, Isaac, l'enfant de la promesse, finit. N'a peine un an, il est trop difficile pour le Seigneur, frère et soeur. Quelle que soit la situation que vous étiez aujourd'hui, quelle que soit la maladie que vous avez souffert, quelle que soit la douleur que vous avez dans votre corps, quel que soit le problème qui est dans votre la famille, dans votre travail, dans votre finance, rappelle cela. N'a peine n'en est trop difficile pour le Seigneur. Bon Dieu est capable de faire. Accroche-nous à Dieu. Accroche-nous à sa parole. Accroche-nous à sa promesse. Et laisse bon Dieu agir dans nous la vie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi, Seigneur, pour ta parole ce soir, Seigneur. Qu'à travers l'exemple d'Abraham, nous finissons comprendre qu'il te fait rendre possible ça qui humainement était impossible. Abraham tient à 100 ans, Sarah tient à 90 ans, quand je fin gagne un garçon, Isaac, de te dire, de tenir tes promesses, et de fidèle à tes promesses, malgré qu'Abraham est infidèle, et tu essayes de gagner un enfant par une astuce humaine. Ce soir, Seigneur, vous priez pour chacun d'entre nous qui l'a. Seigneur, qui te capable d'opérer le même miracle dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Quelle que soit nos maladies, Seigneur, n'a pas aucune maladie qui ne t'est pas capable de guérir. N'a pas aucune situation qui ne t'est pas capable de redresser. N'a pas aucune tempête qui ne t'est pas capable de calmer. N'a pas n'en est trop difficile pour toi. Car tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu suprême. Le Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce soir, nous pouvons prier maintenant. Nous pouvons mettre la foi en pratique et nous pouvons prier pour toute bonne requête de prière. Alors, moi, j'invite vous ce soir, envoyez-nous une bonne requête de prière au Facebook. Envoyez-nous une bonne requête de prière et nous pouvons prier pour chaque requête de prière. Moi, nous venons devant nous, bon Dieu,
le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. On voit cette bonne requête de prière. Et pasteur Lola, on commence la prière ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Papa, ce soir, nous venons vers le trône de la grâce, Seigneur, mon Dieu. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Nous connaissons un bon Dieu, Seigneur, qui a l'écoute. Et ce soir, Seigneur, nous, la prière qui nous peut faire monte vers toi, Seigneur, mon Dieu, nous prier que c'est la prière-là qui arrive auprès de ta sainte demeure, Seigneur, mon Dieu. Et que toi, le Dieu qui te oreille, il n'est pas sourd, Seigneur. Et qui te la main, il n'est pas trop courte pour toucher, pour intervenir, pour guérir, pour délivrer. Ce soir, Seigneur, nous approchons-nous de toi avec un égard rempli, Seigneur, de confiance, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous avons une assurance avec toi, Seigneur, mon Dieu. Car toi, tu es le Dieu qui fait l'impossible devenir possible, Seigneur, mon Dieu. Là que tes bons enfants, papa, trouvent chemin, Seigneur, toi, tu crées bon chemin. Tu ouvres ben la porte qui est fermée, Seigneur, mon Dieu. Et papa, ce soir, dans le nom de Jésus, dans comme un accord avec mon bon frère, mon bon soeur, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pour nous plaider devant toi, Seigneur, pour tous nos bons frères, nos bonnes soeurs qui peuvent envoyer une bonne requête, Seigneur, mon Dieu, requête de prière, Seigneur, mon Dieu. Et nous connaissons un bon Dieu, Seigneur, qui est rempli de compassion, te rempli d'amour, toi, le Dieu de miséricorde, Seigneur, mon Dieu, et toi, le Dieu vivant. Seigneur, ce soir, nous adressons la prière à un bon Dieu vivant, un bon Dieu qui a la capacité, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce soir, à la demande de Véronique, Seigneur, nous pouvons prier pour Baby. Baby qui est malade, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, même si nous ne connaissons pas quel est le problème, Seigneur, de sa santé, mais toi, Jésus-Christ, te connais, te trouver. Et Seigneur, ce soir, nous élève bébé devant toi, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Impose ta main puissante, Seigneur, sur bébé, là où tu étais, Seigneur. Seigneur, toi portes un rétablissement complet dans ce déco, Seigneur. Toi enlève toute bonne situation, Seigneur, qui peut embarrasser physiquement, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous connaît qui te l'a mis, Seigneur, dans te l'a mis, qui est dans la guérison, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, nous prions qu'il t'impose ta main puissante, Seigneur Jésus. L'eau bébé, là que tu étais, Seigneur mon Dieu. Et nous prions aussi, Seigneur, qui te prend tout le contrôle de l'équerre de bébé, Seigneur. Fortifie-le dans cela foi en toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions pour, à la demande de Cécilia. Nous prions pour Marie-Noël, Seigneur. Marie-Noël qui est malade, Marie-Noël qui n'a pas pu amorcer, Marie-Noël qui a un muscle, Seigneur mon Dieu, il a un problème, Seigneur mon Dieu. Mais papa, tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, fortifier ce muscle. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable de libérer ce ligament, ce muscle, Seigneur mon Dieu. Et que Marie-Noël est capable de regagner l'usage de ce membre, de ce léco, Seigneur mon Dieu. Et qu'il est capable de marcher, Seigneur mon Dieu. Nous prions aussi, Seigneur, mon Dieu, pour Sébastien. Sébastien, Seigneur, nous prions qu'il te capable d'éclairer, Seigneur. Te tire, Sébastien, là que peut-être il est dans les ténèbres, Seigneur, mon Dieu. Mais qui toi, Seigneur, te la lumière, il est capable de jaillir, Seigneur. Quand te parole même la lumière, Seigneur. Nous prions qu'il se soit, Sébastien, fin entendre le message. Fin tant de paroles qui finit être prêchées, Seigneur, mon Dieu. Et qui te parole, Seigneur, me prier de faire cela l'effet dans cela vie, Seigneur. Te parole pour enlever un doute dans les cœurs de Sébastien. Te parole, Seigneur, pour enlever un écaille qui doit se liser, Seigneur, mon Dieu. Et qui, Seigneur, toi, te pour éclaire Sébastien, Seigneur. Tu enlèves, Seigneur, mon Dieu, tout bonne pierre qui est capable de saisir ce liquaire, Seigneur, mon Dieu. Tu rends ce liquaire souple à toi, Seigneur. Père, mon élève Sébastien ce soir, Seigneur, qui te capable aide-lui, Seigneur mon Dieu, dans une situation que tu trouves-lui, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous continuons à intercéder auprès de toi. Te dire, Seigneur, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et Seigneur, ce soir, nous prions à la demande de Sylvette pour Marie-Danielle. Marie-Danielle, Seigneur mon Dieu, qui a un cancer, Seigneur mon Dieu. Papa, nous connais dans le nom de Jésus, Seigneur, que toi, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, le Dieu suprême,
Ton nom au-dessus de toute maladie. Ton nom au-dessus de tout cancer. Seigneur, nous demandons-toi, Papa, dans le nom de Jésus, intervenir dans la vie, Seigneur, dans l'écho de Marie-Daniel, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te détruire ce cancer, Seigneur, à la racine, Seigneur. Te libère l'écho de Marie-Daniel, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, sanctifie ce l'écho, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, par ton sang précieux, Seigneur. Et nous prions aussi pour Orlette qui est malade à l'hôpital. Papa, là que Orlette était, Seigneur, ne lève-lui vers toi, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, me prier pour tous les médecins qui sont autour d'Orlette. Tout bon médecin qui peut prendre soin d'elle, Seigneur, mon Dieu. Ouvert toute l'intelligence, donne la sagesse, Seigneur, pour être capable de donner les soins adéquats à Orlette, Seigneur. Quand toi, tu es le Dieu qui guérit à travers la médecine aussi, Seigneur, mon Dieu. Comment te guéris divinement, te guéris aussi, Seigneur, à travers la médecine, à travers la science, Seigneur, mon Dieu. Et c'est toi-même qui donne l'intelligence aux médecins, Seigneur, mon Dieu. Papa, ne lève Orlette devant toi, Seigneur, ce soir. Qui toi pose ta main guérissante, Orlette, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, toujours, Seigneur, la demande de Cécilia. Merci, Seigneur, qui te mette l'amour, compassion dans les cœurs de Cécilia, Seigneur. À côté, Seigneur, il peut envoyer plusieurs de requêtes, Seigneur. Il peut envoyer des requêtes, Seigneur, pour tout un chacun, Seigneur, mon Dieu, qui est malade, Seigneur. Seigneur, nous lève Jacqueline et Jean-Paul devant toi, Seigneur, mon Dieu. Ces deux personnes, Seigneur. Papa, te trouve, Seigneur. Te trouve maladie qui est capable de ronger l'écho, Seigneur. Vous êtes capable malade physiquement. Vous êtes capable malade moralement, émotionnellement, Seigneur. Mais tu es un bon Dieu qui guérit toute la maladie, Seigneur. La maladie n'a aucun secret pour toi. Car c'est toi, Seigneur, tu ne donnes pas la maladie, mais tu es celui qui guérit. Comment te dire, nous, de l'Éternel qui guérit. Nous croyons de tes paroles, Papa l'Éternel. Nous croyons ce qui t'es capable de faire, Seigneur, mon Dieu, pour Jacqueline et Jean-Paul, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Et mon prière, Seigneur, que tout ce qui te peut accomplir dans toute la vie, ni pour toute la gloire et de la gloire seulement, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous prions pour la petite Chloé qui ne passe pas une grande opération, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me lève cet adolescent devant toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, qui te pour rétablir totalement, complètement, Seigneur. Seigneur, te guéris sur l'écho physique, Seigneur, mon Dieu. Qui sauve convalescence passe bien par toute la grâce, Seigneur. Seigneur, me prier, te déverse ton regard favorable au Chloé, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te aide-lui, Seigneur, pour lui, te donner la force, le courage, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, Papa. Me lève-lui devant toi. Me prier pour Jérôme aussi, sa petite famille, Seigneur. Seigneur, bénis mon frère dans ce foyer. Bénis-lui, Seigneur, relation dans ce couple, Seigneur, mon Dieu. Apporte un rétablissement. Apporte la paix dans ce foyer, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, apporte la réconciliation, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Toi, tu es le Dieu de l'unité, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me lève devant toi. Et Seigneur, me prier pour Marie-Josée et sa famille, Seigneur. Qui en ce moment dans le deuil, Seigneur, te cas fortifier cette liqueur, Seigneur. Seigneur, te aide-lui, te donne ce courage, la force, la santé, Seigneur. Et qu'ils ne pourra pas traverser à travers cette épreuve, Seigneur, mon Dieu, pour ta main puissante, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, me prier pour Marie-Noël à la demande de Cécile, Seigneur, mon Dieu. Cécile qui peut demander prier pour ce sœur Marie-Noël. Marie-Noël qui fait une chute, Seigneur, mon Dieu. Et qu'aujourd'hui, Marie-Noël pas capable de marcher, mais qui, Seigneur, te car rétablis-lui, Seigneur, dans sa colonne vertébrale, Seigneur. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, mon Dieu. Jésus-Christ, quand tu es sur la terre, tu guéris les paralytiques, tu guéris les sourds, les aveugles, même les lépreux te fin guéris. Et Jésus, tu le même, tu pas changé, Seigneur Jésus. Et nous demandons d'intervenir par ta main puissante dans la vie, dans l'écho de Marie-Noël, Seigneur. Nous place les médecins qui peuvent suivre lui, Seigneur. Aide-le, Seigneur, pour être capable de trouver un soin pour donner à Marie-Noël, Seigneur, mon Dieu. Mais Papa, nous compte le tout puissant, Seigneur. Le tout puissant divine, Seigneur Jésus. Toi, agis dans la vie, Seigneur, mon Dieu, de Marie-Noël, Seigneur. Oh, Papa. Me lève tout ban kiken qui peut souffrir dans zot l'écho, Seigneur. Toi te connais, mais moi pas si zot non, Seigneur. Là que zot était, Papa. Toi agir, toi intervenir. Toi, le Dieu
qui a toute la capacité de guérir, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont capables d'avoir la foi en toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai dans la foi en toi, tout comme cette femme au père de sang, qui te dit, si seulement mon capable touche le rebord de la robe de Jésus, mon guéri. Seigneur, mon prier, que tous ceux qui malades, Seigneur, je suis capable touche ta parole. Ta parole, Seigneur, fasse l'effet dans la vie. Envoie ta parole, Seigneur, et qui te guérisse, papa. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons à prier, nous continuons à accorder ensemble. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Papa, ce soir, nous continuons à intercéder, nous continuons, Seigneur, ensemble. Seigneur, prier avec toutes ces personnes qui peuvent envoyer cette requête. Seigneur, ce soir, mon vie accordée avec Marie-Lane, Seigneur Dieu, qui demande pour prier pour Marie-Lily, pour qu'elle puisse marcher bien. Seigneur, te connais, Seigneur, qui Marie-Lily peut traverser, Seigneur, avec ce bande de difficulté qu'il a gagné avec ses jambes. Mais Seigneur, ce soir, comment nous peut accorder avec Marie-Lane, Seigneur Dieu? Nous continuons, élève Marie-Lily devant le trône de grâce ce soir. Nous demandons-toi, étends-te la main. Seigneur, ce qui est impossible à l'homme, Seigneur, est possible à toi. Seigneur, comment nous finissons entendre aujourd'hui, Seigneur Dieu? Papa, vraiment, nous dis-toi, Seigneur Dieu, que vraiment, peut-être la médecine dit qu'il est impossible pour les remarches bien. Mais Seigneur, nous connais ce soir, Seigneur, nous crois en ce Dieu que vraiment, Seigneur, ce qui est impossible, impossible avec toi, Seigneur Dieu. Papa, vraiment, nous élève-lui devant toi, Seigneur, cette sœur devant ton trône de grâce. Nous demande-toi, étends-te la main, la jambe, Seigneur Dieu, afin qu'il te redonne-lui de la force, Seigneur Dieu. Remette de la force dans ce banc les yeux. Renouvelle ce banc les yeux, Seigneur Dieu. Papa, vraiment, nous demande-toi, te touche-lui, Seigneur, avec ta puissance, avec ta onction. Qui vraiment y être restauré dans la santé, qui te restaure ce ban mus, ce ban les œufs, et Seigneur, que vraiment te redonne de la force dans la chambre. Au nom de Jésus, que Marie-Lily recommence à marcher comme il faut, Seigneur Dieu. Papa, nous disons merci qui te peut intervenir ce soir même, qui à travers tes paroles, Seigneur, qui n'écoutait, à travers le message qui nous gagne ce soir, Seigneur, me prier que la foi lui prend place dans la vie et d'y croire en ce Dieu que tout est possible, Seigneur. Papa, vraiment, nous demande-toi qui te bénit, Marie-Lily, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Jennifer, Seigneur, que Karen, une fille, demande pour prier pour elle, Seigneur Dieu. Papa, nous demande-toi, Seigneur Dieu, que vraiment, comment nous puissions accorder avec Karen et aussi Cécilia, Seigneur Dieu. Nous, ensemble, avec toutes ces sœurs, Seigneur, pour élève Jennifer devant le trône, Seigneur Dieu. Nous demande-toi, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, dans cela vie. Tu connais ce désir, tu connais ce bon plan. Tu connais, Seigneur Dieu, qui ce qui vraiment est là devant. Mais toi, Seigneur Dieu, t'envoie, nous demande-toi ce soir, t'envoie ton bon ange pour aller de l'avant d'elle, Seigneur Dieu, pour planer le chemin, Seigneur, le sentier qu'il est bien prend, et Seigneur, afin qu'il y ait tout ce qui est vraiment le désir qui est dans ce cœur, Seigneur Dieu, t'es vraiment capable de toucher lui, Seigneur Dieu. Papa, te dit à ta parole, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Jennifer, me demande-toi vraiment, au fur et à mesure, te fais l'éternel tes délices. Que Dieu donne-toi le désir de ton cœur. Que le plan qui te est là, tu envie que ce plan l'y réalise, qui vraiment te fait l'éternel tes délices et te trouve l'intervention de Dieu, l'intervention divine dans ta vie. Seigneur, vraiment, nous élève, Seigneur Dieu, et Cécilia, nous élève Karen, nous élève Jennifer devant toi, Seigneur Dieu. Peut-être ce sont des amis très proches, mais Seigneur, moi, élève-les devant toi, Seigneur Dieu, afin que l'un l'autre capable de soutenir l'un l'autre, Seigneur Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, et qu'ils soient capables de continuer, marche avec toi dans la foi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, pour Marie-Claire. Seigneur, te connais qu'il y peut traverser avec ben chimio qu'il y peut faire. Seigneur, ce soir, comment il finit, Seigneur Dieu, apporte ce requête. Seigneur, nous vivons ensemble, Seigneur, avec elle, nous accordons pour élève-lui devant ton trône de grâce. Seigneur, te connais cela foi, te connais cette persévérance, te connais cela amour pour toi. Et ce soir, Seigneur Dieu, ensemble, nous vivons accordés avec elle, Seigneur Dieu, que vraiment nous vivons prier ensemble. Comment, Seigneur, il croit, comment il dit, Seigneur Dieu, que l'impossible, les vignes possibles pour la main puissante
de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous vraiment accorder avec elle, Seigneur Dieu. Nous demandons que tu te touches, lui, Seigneur Dieu. Nous me demandons, Seigneur Dieu, ce soir, dans le nom de Jésus, que d'une onction qui coulait dans cela vie, que cette onction, cette puissance qui découle de ton trône, Seigneur, les traverse dans tout coin, recoin sur les corps, Seigneur Dieu. Que tu bannes cellules cancéreuses, Seigneur Dieu. Ce soir, nous commandons tout pour quitter sur les corps dans le nom de Jésus. Qui te restaure, tu bannes cellules dans sur les corps. Qui te apporte, Seigneur Dieu, une restauration complète, une guérison complète dans sur les corps, dans le nom de Jésus. Seigneur, comment, Seigneur, cette sœur, il servit toi. Comment Marie-Claire, Seigneur Dieu, elle a l'amour pour toi, Seigneur Dieu. Nous demande-toi ce soir, elle a la grâce spéciale dans sur la vie. Seigneur Dieu, te connais, Seigneur Dieu, là que tu étais. Et Seigneur, nous demande-toi pour ta main puissante, te touche-lui, Seigneur. Touche Marie-Claire ce soir. Touche sur les corps, Seigneur. Touche toutes les cellules qui dansent sur les corps, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Marie-Lie, Seigneur, la demande de Marie-Lan. Seigneur, que toutes les douleurs aiguës qui y en a au niveau de sa nuque, au niveau de ses épaules, dans ceux des deux, Seigneur, sois enlevé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous accordons avec Marie-Lan, Seigneur Dieu, pour élève Marie-Lise devant le trône. Seigneur, ce soir, nous connaissons, Seigneur Dieu. Peut-être qu'il finit souffert pendant des mois, pendant des semaines, Seigneur, il souffert avec toute sa douleur-là. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, nous commandons toute douleur. Quitte sur les corps au nom de Jésus. Nous commandons toute douleur. Allez au nom de Jésus. Seigneur, comment ce soir, ta parole, Seigneur Dieu, il prend place dans le cœur de Marie-Lan et aussi de Marie-Lise. Seigneur, me prier, Seigneur Dieu, as we pray for her. Seigneur, que toute douleur disparaisse dans le nom de Jésus. Seigneur, we believe for a miracle. Nous croyons qu'il y a un miracle qui est en opération ce soir même. Qu'il y a un miracle qui l'a pu opérer dans ce corps. Que toute douleur y allait au nom de Jésus. Papa, nous remercions toi. Nous connaissons un Dieu de miracle, un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit ce soir. Papa, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Keshav, à la demande de Pascal. Nous accorder avec Pascal, Seigneur Dieu, pour élève Keshav devant toi, Seigneur Dieu, afin qu'il soit capable de trouver un travail. Seigneur, nous demande-toi, Seigneur, tu intervenir dans la vie de Keshav. Tu intervenir, nous prier, de faveur et accompagne-lui. Que non seulement il y a ta faveur qui accompagne-lui, mais aussi pour il y a la faveur de l'homme et qui pour il y a la porte qui peut ouvrir au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous demande-toi, à travers ton intervention, que n'a pas la porte qui est ouverte, Seigneur Dieu, pour Keshav. Et aussi, nous prions aussi pour son épouse qui est malade. Seigneur, nous demande ta guérison. Ta main puissante, ta main guérissante, l'y poser chez l'épouse de Keshav ce soir. Au nom de Jésus, nous commandons toute maladie, toute infection, tout virus qui capable na, qui peut rendre, Seigneur Dieu, Keshav, son épouse malade. Ce soir, nous commandons tout cela. Quitte les corps de l'épouse de Keshav au nom de Jésus. Et Seigneur, me prononce ta bénédiction, me prononce ta guérison dans l'épouse, Seigneur Dieu, dans la vie de l'épouse de Keshav au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour la guérison de Stéphane, Seigneur, à la demande de Marie-Michel. Seigneur, qui peut passer par une phase très difficile, Seigneur, comment Marie-Michel peut dire, Seigneur Dieu. Papa, nous demande-toi, Seigneur, étends ta main. Fais grâce, Seigneur Dieu, cher Steven. Et Seigneur, tu intervenir dans cela vie. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour la belle-fille de Marie-Michel, Seigneur Dieu, Dia. Nous élève Dia devant toi, Seigneur Dieu. Papa, nous demande tes bénédictions. Me prononce tes bénédictions sur la vie de Dia. Seigneur, comment, Seigneur, cette maman peut prier, Seigneur Dieu, Marie-Michel, Seigneur Dieu. Je demande pour prier aussi pour sa fille, Cynthia, et son gendre, Yann. Seigneur Dieu, et ces deux enfants. Seigneur, nous élève devant ton trône de grâce. Seigneur, Marie-Michel, demandez aussi pour prier pour ce l'autre fille, Seigneur Elvina, et aussi ce l'autre John, Nitish, et ces deux enfants. Seigneur, nous élève toute cette famille devant toi. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour le petit Daphné, Seigneur Dieu, le petit enfant de Marie-Michel. Seigneur, cette grand-mère, Seigneur Dieu, qui peut prier, Seigneur, pour Daphné. Seigneur, nous élève Daphné devant ton trône de grâce. Seigneur, te trouve le cœur de Marie-Michel qui peut prier pour tous ces bons enfants, pour ces petits enfants, pour ces bons gens, Seigneur Dieu. Seigneur, nous vraiment, Seigneur, accorder avec Marie-Michel, Seigneur Dieu. Pour élève cette famille devant ton trône. Nous demande ta main bénie, soit chez cette famille. Et aussi, Seigneur, comment Marie-Michel demande pour prier pour la santé.
Seigneur, nous prier qu'il vraiment te garde, lui, Seigneur, en bonne santé et que te banange toujours campe autour d'elle. Seigneur, comment lui peut prendre soin de ce, la famille, de ce bon enfant, de ce bon petit-enfant. Seigneur, te protège, lui, Seigneur. Nous demande-toi ce soir une protection spéciale chez la vie de Marie-Michel et aussi chez sa famille, chez toute sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Marie-Belle, à la demande de François, Seigneur Dieu, que vraiment nous prier pour Marie-Belle, pour Megan, pour Elisa, pour Gary, Jenny, Rico, Laura et Maeva. Seigneur, nous élève toutes ces personnes devant toi, Seigneur Dieu. Te connaît, Seigneur, te connaît un par un, te connaît de nom. Et Seigneur, nous vraiment élève devant ton trône de grâce, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Jean-Michel, Seigneur Dieu, que vraiment, et Sabrina, Seigneur Père, rends-toi grâce, Seigneur Dieu, que vraiment te fin intervenir dans la vie de son frère Jean-Michel, qui finit guéri. Nous réjouir avec Sabrina et aussi Jean-Michel, Seigneur Dieu, que vraiment tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui répond à la prière de tes bons enfants. Et vraiment, nous te disons merci ce soir. Et Papa, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Janine, Seigneur, à la demande de Stéphanie. Seigneur, nous accorder avec Stéphanie pour élever Janine devant toi, afin qu'elle puisse marcher et vraiment les capables accomplir ce bon tâche quotidienne, malgré ce bon douleur à la hanche et genou. Papa, au nom de Jésus, nous commandons tout bon douleur à la hanche, tout douleur au genou. Papa, dans le nom de Jésus, nous commandons sa douleur là. Quitte Janine au nom de Jésus. Seigneur, qui te pose ta main guérissante, ta main puissante sur la hanche et aussi sur ses genoux. Seigneur Dieu, que vraiment te guérisses au nom de Jésus. Papa, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Janine, Seigneur, ce belle-sœur Fleurette, qui peut souffrir de bons problèmes musculaires, et aussi, Seigneur Dieu, de ce bon les œufs. Papa, ce soir, nous connaissons un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu qui répare. Seigneur, là que tu bannes les œufs, qui manque, Seigneur Dieu, de force, me demande-toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, de vraiment te renforcer, Seigneur, tu bannes les œufs. De fleurettes, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, que toute bonne douleur musculaire les quitte sur les corps au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Marie-Flore, Seigneur Dieu, pour sa sœur. Seigneur, nous prions, Seigneur, aussi pour Florida, qui est à Belgique, Seigneur Dieu. Nous prions pour ce genou. Seigneur, peu importe, Seigneur, qui problème au genou, les gagner. Seigneur, qui peut-être, Seigneur, et Nabana. Ben, les yeux qui finissent et n'ont pas de douleur, ou whatever, Seigneur, toi te connais, Seigneur Dieu. Nous élève-les devant le trône de grâce ce soir et nous prions qu'il te la met, Seigneur puissante, les poser sur les genoux, Seigneur Dieu, de Florinda, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Sabrina, Seigneur, qui demande de protège-les, Seigneur Dieu, et dans ce travail, qui te donne la paix. Seigneur, nous prions. Qui vraiment te faveur accompagne Sabrina, Seigneur. Te connais dans qui situation il peut traverser. Peut-être dans ce travail qui a beaucoup de mécontentement, il a beaucoup de jalousie, il a beaucoup, Seigneur, d'incompréhension. Mais Seigneur, ce soir, nous demande-toi qui tu intervenir, Seigneur Dieu, qui te en faveur de notre sœur Sabrina. Qui toi avec lui, Seigneur, dans ce travail. Qui t'envoie ton bon ange protecteur. Te protège lui contre ton bon flèche enflammée. Te protège lui contre ton bon jalousie. Te protège lui, Seigneur, contre ton bon méchanceté, Seigneur, qui peut-être est là dans ce travail. Mais te protège, Sabrina, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour la famille de Moïline, Seigneur Dieu. Comment nous demander, Seigneur Dieu, prier pour son couple. Seigneur, ce soir, nous élève Moïline, Seigneur, devant toi, Seigneur Dieu. Te protège-lui. Me demande-toi, Papa, au nom de Jésus. Comment lui demander, Seigneur, qu'il y ait la réconciliation dans ce couple, Seigneur Dieu. Mon prier qu'il y ait l'amour qui régnait, la compréhension, Seigneur Dieu, qui régnait dans ce couple. Et Seigneur, nous élève, Seigneur Dieu, son mari devant ton trône de grâce. Seigneur, qui est vraiment capable en tant qu'époux, Seigneur Dieu, capable content son épouse, capable content Moïline. Comment toi, te fin dire, Seigneur Dieu, content, comment toi, tu content l'Église, Seigneur Dieu. Mon prier, Seigneur Dieu, que son époux, capable, content lui. Comment toi, Jésus, tu content ton Église. Et mon prier aussi pour Moïline, Seigneur Dieu, afin qu'il ait vraiment un l'équerre pour son époux, Seigneur Dieu, et qu'il est capable vraiment montrer tant d'amour, tant de compréhension, Seigneur Dieu, envers son époux, et qu'il est capable vraiment être une épouse agréable.
et aussi agréable à tes yeux. Et aussi, Seigneur Dieu, qui vraiment pour émerveiller son époux, dans le nom de Jésus. Papa, nous disons merci ce soir, Seigneur Dieu, qui vraiment, Seigneur, te répond à la prière de tes bons enfants. Te dire, Seigneur, que la prière d'un homme juste y accomplit des grandes choses. Vous connaissez ce soir, Seigneur Dieu, à travers nos prières, il y a des grandes choses qui peuvent être accomplies dans la vie de tes bons enfants. Seigneur, nous croyons ce soir, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur Dieu. Papa, vraiment, tu intervenir dans la vie de tous nos bons frères et sœurs en Christ, qui tu intervenir dans la vie de tous ceux qui finissent en voie et nos requêtes, Seigneur Dieu. Toi, te connes, haine par haine, Seigneur. Papa, nous louons toi ce soir. Nous bénis toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, vraiment ce soir, Seigneur, nous remercions toi pour tes paroles, Seigneur, parce qu'il nous connaît, Seigneur Dieu, qui dans tes paroles, Seigneur Dieu, te cause avec nous, Seigneur. C'est toi-même, Seigneur Dieu, en tant que ce Dieu tout-puissant, toi-même te révèles toi-même à nous, Seigneur, le désir de te l'écrire, l'amour que tu as pour ton peuple, Seigneur, pour ta création, Seigneur. Et vraiment, ce soir, Seigneur Dieu, nous émerveiller, Seigneur, mon Dieu. Seigneur Dieu, peut-être beaucoup des fois, Seigneur Dieu, nous tanne, Seigneur Dieu, l'histoire d'Abraham, Seigneur, mon Dieu, ce père de la foi qui nous look up to, Seigneur, mon Dieu. Mais seulement, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur, nous envie une réponse, Seigneur Dieu, à tes paroles, Seigneur. Nous envie, Seigneur mon Dieu, recevoir tes paroles, Seigneur. Et nous envie, Seigneur Dieu, approprier-les, Seigneur Dieu, dans nous la vie, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, c'est avec foi qui nous vient devant toi, Seigneur. Nous la mets, Seigneur Dieu, les tenir, Seigneur Dieu, toutes les promesses qui oui et amen en Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, te promets, Seigneur mon Dieu, c'est qu'il te finit, Seigneur Dieu, pour vraiment, Seigneur Dieu, arrache-nous, Seigneur Dieu, du péché. Tenez-nous dans la terre, Seigneur Dieu, pour arrache-nous, Seigneur mon Dieu, des maux qui certaines, Seigneur. Tenez-nous, Seigneur Dieu, dans la terre, Seigneur mon Dieu, pour délivrer, Seigneur Dieu, les captifs, Seigneur. Pour guérir, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, c'est dans te l'équerre, Seigneur mon Dieu. C'est dans te, Seigneur Dieu, c'est dans te volonté, Seigneur mon Dieu, de guérir, Seigneur. Et Seigneur, tu as la capacité, Seigneur Dieu. Tu as le pouvoir, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, te donne-nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, cette autorité, Seigneur Dieu, pour prier, Seigneur Dieu, pour les autres, les malades, Seigneur, ceux qui en ont besoin, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, tous ceux qui nous viennent, envoient cette requête, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il te donne, nous, Seigneur Dieu, un liquide de compassion, Seigneur. Parce que quand nous trouvons les gens souffert, Seigneur Dieu, nous souffert avec eux, Seigneur, mon Dieu, dans la prière. Seigneur, mon Dieu, même avant nous ouvrir nous la bouche, même avant que les uns les autres envoient cette requête, te connais, Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin. Et nous venons devant le trône de la grâce, Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur. Nous applique, Seigneur mon Dieu, ce qui nous finit tendre ce soir, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, me prier, Seigneur Dieu, qui non seulement la foi les grandit, Seigneur, mais qui, Seigneur Dieu, l'espérance, Seigneur Dieu, en toi, Seigneur Dieu, les grandit, Seigneur, les vraiment, Seigneur Dieu, les croître, Seigneur mon Dieu. Cette espérance, Seigneur Dieu, qui quand nous élève, nous la voix vers toi, Seigneur, qui te agit, Seigneur, parce que tu es un Dieu de compassion, de miséricordieux, Seigneur, et te trouve tout, te tanne tout, Seigneur. Rien, Seigneur Dieu, pas échappe à ton attention, Seigneur. Et c'est vers ce Dieu, Seigneur Dieu, qui vraiment nous adresse, Seigneur Dieu, nous la prière, en accordité, Seigneur, avec nos langues, Seigneur, qui demandait, Seigneur, qui nous priait pour Aline, Seigneur Dieu, qui souffert, Seigneur Dieu, de ma douleur sciatique aiguë, Seigneur. Et Seigneur, non seulement qu'il ne l'annélasse pas dans ce l'équerre, mais lui demander aussi que toi, Seigneur, te capable touche ce l'équerre, Seigneur mon Dieu, afin qu'il est capable de grandir dans cela foi. Père très saint, vraiment nous connaît, Seigneur, qui te, non seulement celui qui guérit nous physiquement, Seigneur, mais te guérit nous dans nos âmes, Seigneur Dieu. Là, quand, Seigneur Dieu, nous sentis nous abattus, Seigneur, quand il y a une partie de nous, l'écho qui crispait, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui amènes, Seigneur mon Dieu, cette guérison, Seigneur, la guérison de nos âmes, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui envoies tes paroles, Seigneur, pour réconforter nous, Seigneur. Mon Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, nous prions
prier pour Aline, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, vraiment, nous prend l'autorité. Lotus sabandule sciatique qui peut fatiguer là, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, nous commande sabandule là pour aller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui vraiment, Seigneur mon Dieu, qui te parole capavine, Seigneur Dieu, dans le cœur de Aline, Seigneur mon Dieu. Qu'il est capable réceptif, Seigneur mon Dieu, à cette parole d'espérance, Seigneur. Cette parole, Seigneur Dieu, qui vraiment pour réconforter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui relève, Seigneur, celui à l'esprit abattu, Seigneur mon Dieu. Père très saint, vraiment, nous remercions toi pour cette sœur, Seigneur. Nous remercions toi pour cela, vie, Seigneur mon Dieu. Nous remercions toi, Seigneur Dieu, qui te capable de mettre Bandimoun dans ce chemin, Seigneur, pour exhorter dans cela foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, envoie, Seigneur mon Dieu, toute, Seigneur Dieu, l'aide dont elle a besoin, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur mon Dieu, nous prions, Seigneur, pour la guérison de Dalphine, Seigneur mon Dieu, qui souffre aussi de ce colonne vertébrale, Seigneur mon Dieu. Père très saint, nous prions, Seigneur Dieu, que dans le nom de Jésus, sa colonne-là, Seigneur mon Dieu, est capable, Seigneur Dieu, d'être redressée, Seigneur. Qui, Seigneur Dieu, qui ici, il n'a pas de pincement dans ce les deux, Seigneur mon Dieu, qui tout cela est capable d'être relâché, Seigneur. Seigneur, te pose de la main, Seigneur mon Dieu. De la main, Seigneur Dieu, comment, Seigneur, quand tu manges sur la terre, Seigneur, te pose de la main, l'on va de malade, Seigneur, va de malade, je te guéris, Seigneur mon Dieu. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous prions à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. C'est toi qui guéris, Seigneur mon Dieu. Et rien n'est impossible à toi. Nous connaissons, Seigneur Dieu, comment ma douleur dans la colonne, Seigneur, vertébrale, Seigneur, est capable vraiment pèse, Seigneur mon Dieu. Il est capable déséquilibre, Seigneur Dieu, et la vie, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, nous réclame, Seigneur Dieu, de miséricorde, Seigneur. Nous demande de miséricorde, Seigneur Dieu, sur Seigneur Dieu, cette personne, Seigneur, que tu aimes, Seigneur mon Dieu. Père très saint, vraiment, me demande-toi, Seigneur mon Dieu, un soulagement, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, qui vraiment, Stéphanie, l'incapable, Seigneur Dieu, mettre une requête de prière pour nous capables d'accorder ensemble, Seigneur, pour Jacinta, Seigneur Dieu. Encore, Seigneur mon Dieu, nous trouve un cas, Seigneur Dieu, qui n'est pas souffert, Seigneur Dieu, au bas de son dos, Seigneur. Ce qui c'est une douleur sciatique, Seigneur, qui irradiait jusqu'à cela jambe, Seigneur mon Dieu. Père très saint, me demande-toi, Seigneur mon Dieu, que depuis ce coup, Seigneur mon Dieu, jusqu'à, Seigneur Dieu, cela jambe, Seigneur, jusqu'à son orteil, Seigneur mon Dieu, que vraiment de l'onction les coulait, Seigneur. Maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, que le du haut de son cou, Seigneur mon Dieu, que soit relâché, Seigneur Dieu, cette douleur, Seigneur mon Dieu. Et qui tout ça là, Seigneur, l'onction, Seigneur Dieu, les brise le joug de l'ennemi, l'eau, la vie, Seigneur Dieu, de Jacinta, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, qui vraiment, Seigneur Dieu, c'est un baume du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui est appliqué, Seigneur Dieu, sur cette sœur, Seigneur mon Dieu, alléluia. Merci, Seigneur Dieu, que c'est un chant de délivrance ce soir, Seigneur Dieu, qui vous opérez, Seigneur Dieu, dans cela vie, Seigneur. Papa, me prier pour cette sœur, Seigneur Dieu, qui vraiment est capable comme toi, Seigneur Dieu, comme celui qui guérit, Seigneur, celui qui restaure, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, c'est toi, Seigneur Dieu, qui apporte une parole de réconfort, Seigneur mon Dieu. Père, me prier pour la persévérance, Seigneur Dieu, dans ce temps difficile, Seigneur. Qui Jacinta, Seigneur Dieu, est capable comme toi, comment ce Seigneur et ce Sauveur personnel, Seigneur mon Dieu, qui ça l'espérance qui est en toi là, il y a l'espérance qui pas pour échappe, Seigneur Dieu, Seigneur de ce l'équerre, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur, me prier, Seigneur mon Dieu, pour Seigneur Dieu, Seigneur pour Chena, Seigneur Dieu, qui vraiment peut accorder, Seigneur Dieu, qui peut demander, nous accorder avec lui, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour nous ban aîner, Seigneur, pour surtout ceux qui sont malades et ceux qui sont dans la solitude, Seigneur mon Dieu. Père très saint, nous remercions toi, Seigneur Dieu, qui te capable de donner à chacun d'entre nous ce soir sur le net, Seigneur, ce cœur de compassion, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, nous, tes disciples, Seigneur, te n'appelles nous à chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous capables de représenter toi, Seigneur mon Dieu, pour nous capables, Seigneur Dieu, de toute façon, Seigneur Dieu, pratique, Seigneur Dieu, nous capables, Seigneur Dieu,
venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et ce soir, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, nous accorder avec Shiana, Seigneur mon Dieu, pour prier, Seigneur Dieu, pour ces personnes, Seigneur Dieu, qui d'un âge avancé, Seigneur mon Dieu, qui ont contribué dans la société, qui ont contribué dans la famille, Seigneur Dieu. Seigneur mon Dieu, jette un regard, Seigneur Dieu, de bonté, Seigneur Dieu, un regard de générosité, Seigneur mon Dieu, te pourvois à ce besoin, Seigneur mon Dieu, que ce soit, Seigneur Dieu, dans cette solitude, d'envoyer une bonne personne pour entourer, Seigneur mon Dieu, que ce soit, Seigneur Dieu, dans ce besoin matériel, Seigneur mon Dieu, te pourvois à ce besoin, Seigneur. Père très saint, Seigneur mon Dieu, nous prier, Seigneur Dieu, qui te donne, Seigneur Dieu, à notre société, Seigneur Dieu, un lequel qui plie grand, Seigneur mon Dieu, un lequel qui plie sensible, Seigneur mon Dieu, et qui nous pas oublier, Seigneur, nos aînés, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Dieu, que tout cela, Seigneur Dieu, les fait-moi penser aussi, Seigneur, qui nous capable, Seigneur Dieu, prend et les temps nous capable à visiter ceux qui en ont besoin, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, de cet amour de Jésus, qui pour capable être transmis, Seigneur Dieu, à travers, Seigneur, de bon serviteur, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous louons toi, nous bénis toi, Seigneur Dieu, qui te pourvois, Seigneur Dieu, aux besoins de nous aînés, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, dans un besoin spirituel, dans un bon besoin, dans une âme, dans l'émotion, Seigneur, dans un bon besoin, Seigneur, matériel, Seigneur Dieu, dans un bon besoin, Seigneur, de médicaments, de soins, Seigneur, pourvois, Seigneur mon Dieu, de façon surnaturelle, Seigneur Dieu, de façon, Seigneur, excellente, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci que tu es le Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, vraiment nous prier, Seigneur Dieu, ensemble avec Cécilia, nous accorder avec toi, Cécilia, pour ces mains qui demandent la guérison de ce cancer dans la jambe. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, nous connais, Seigneur Dieu, qui le cancer, il peut faire un ravage, Seigneur Dieu, dans le monde, dans nos sociétés. Père très saint, toi-même, Seigneur, tu es le Créateur, Seigneur Dieu, Seigneur de l'humain, Seigneur de l'être humain, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as créé nous un être merveilleux, Seigneur. Papa, vraiment, Seigneur, la maladie, Seigneur Dieu, n'est pas vigne de toi, Seigneur, mon Dieu. N'est pas dans tes plans, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, tout ce qui est le péché, Seigneur, l'amour y a mené, Seigneur, mon Dieu. Jésus, toi, te n'amène, Seigneur Dieu, le plan du salut, le plan de guérison et le plan de la restauration. Papa, nous prier, Seigneur, mon Dieu, pour ces mains, Seigneur, mon Dieu. Toi, te connais, Seigneur Dieu, spécifiquement, Seigneur Dieu, là que, Seigneur Dieu, il y a une cellule cancéreuse, Seigneur, mon Dieu. Là, Seigneur, mon Dieu, que l'Ibiza, Seigneur Dieu, l'opération du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui guéris. Tu es l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que dans le nom de Jésus, malade guéri, s'entendez avec, Seigneur mon Dieu, les trouver, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, les morts, les ressusciter. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, qui va cancéreux, Seigneur, se guérir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour ces mains, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, en ce moment, maintenant même, Seigneur, que le nom de Jésus, les pour porter, Seigneur Dieu, les pour être confessé par ces mains, Seigneur, qu'il est capable crier vers toi, Jésus, guéris-moi, Jésus, restaure-moi, Jésus, rétablis-moi, Jésus, qui me capable dans la jambe être fortifié. Seigneur mon Dieu, we just pray, Lord, to you, Lord, because you're able, Lord, you're more than able, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu, et qui s'est mal capable, Seigneur mon Dieu, connais, Seigneur, que tu es celui qui guérit. Papa, nous prier qu'il est capable, regarde vers, Seigneur Dieu, l'œuvre de la croix. Et Seigneur, mon Dieu, tout a été accompli. C'est par tes meurtrissures, Jésus, qu'elle est guérie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, Seigneur Dieu, à la demande aussi, Seigneur Dieu, de Denis, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Dieu, nous accorder encore une fois, Seigneur, pour que de la grâce accompagne tous ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, vraiment Seigneur, qui nous capable continuer, Seigneur Dieu, donne-nous un moment de prière, de dévotion, Seigneur, qui nous capable amène une pétition, Seigneur, une supplication, Seigneur. Seigneur mon Dieu, te donne-nous, Seigneur Dieu, une personne, Seigneur Dieu vers qui, Seigneur Dieu, nous capable
pour qui nous capables pour une prière d'intercession, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Comment nous, Sœur Julie, déclare, Seigneur, et nous, moi aussi, Seigneur. Seigneur, la promesse que la prière du juste, il a une grande efficacité, Papa, qui nous capables de continuer à persévérer dans la prière, pour te la grâce, pour te miséricorde, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu. En ce moment, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu, que Seigneur nous remercie, toi. Seigneur, nous joigne, Seigneur Dieu, à nos frères John, Seigneur, qui dit à toi merci. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la restauration de la famille de Joseph et de ce bon enfant, Seigneur, mon Dieu, qui maintenant se paix travaille et qui vraiment lui donne toi toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur Dieu, nous pas oublier, Seigneur Dieu, remercier toi. Te dire dans ta parole, Seigneur Dieu, qui nous pas inquiète nous de rien, mais en toute chose, Seigneur Dieu, pas des prières, pas des supplications, avec des actions de grâce. Seigneur Dieu, quand la prière une réponse, Seigneur Dieu, nous donne toi toute la gloire, nous donne toi tout l'honneur, parce que Seigneur, te mérité, Seigneur, c'est toi qui ouvres un chemin, c'est toi qui tu es le Dieu de toute faveur et de toute grâce, Seigneur Dieu, et nous reconnaître cela, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, il y a Moïline qui peut envoyer un message, Seigneur Dieu, qui peut demander, Seigneur Dieu, qui est capable de guérir ce l'écho de toute maladie, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur, comment elle peut crier vers toi, Seigneur mon Dieu, qui te entende cela prière, qui te écoute cela prière, Seigneur mon Dieu. Papa, me prier, Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, pour Moïline, Seigneur mon Dieu, qui est capable, quand il recherche toi, Seigneur mon Dieu, qui te parole, Seigneur Dieu, qui est capable d'être aussi précieux, Seigneur, qu'elle est capable de faire tes paroles dans ce lesquels, Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur mon Dieu, qui vraiment tu es le Dieu qui guérit et qu'elle est capable, Seigneur Dieu, connaît, qui quand il priait toi, Seigneur mon Dieu, qui toi, Seigneur, te agis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, vraiment, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, pour l'unité, Seigneur Dieu, de ton du corps du Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, qui nous accordait ensemble, Seigneur. Nous connais, Seigneur Dieu, quand nous ensemble, Seigneur, c'est vraiment, c'est là que tu prends plaisir, Seigneur. Quand tu te bats des enfants, Seigneur Dieu, les réunir, Seigneur, mon Dieu. C'est pas parce qu'il nous permet quelque chose de nouveau devant toi, Seigneur. Nous pas pis faire annonce-toi quelque chose qui te pas connaît, Seigneur. Mais ce que nous vînons devant toi, c'est qu'il nous capable de dire à toi, Seigneur, mon Dieu, nous déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous mettons confiance en toi. Nous mettons l'espérance en toi, Seigneur. Et Seigneur Dieu, en personne d'autre, Seigneur, mon Dieu, nous pour regarder, Seigneur, mon Dieu, pour le salut, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, nous louer toi, nous bénis toi. Que ta volonté, Seigneur Dieu, d'y être fait, Seigneur Dieu, sur terre, comme l'y fait, Seigneur, dans les cieux. Que ta parfaite volonté l'y réaliser dans chacun de nous la vie, Seigneur, mon Dieu. Père, ce soir, Seigneur Dieu, m'a encore prié, Seigneur, mon Dieu, qui vraiment te parole, Seigneur, qui n'est semé, Seigneur, mon Dieu, dans nous la vie ce soir, Seigneur, qui te parole l'y capable germer, Seigneur, et surtout dans nous la vie de prière, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il nous connaît quand tes paroles les causaient, Seigneur, les demandent une réponse de nous pas. Et la réponse qui nous énerve, c'est la prière vers toi, Seigneur. Me louer toi, Seigneur. Me bénis toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, qui tout le peuple, Seigneur Dieu, les règne ensemble et qui vraiment, Seigneur, te peut répondre et te peut prendre plaisir à la prière, Seigneur, à la supplication, aux pétitions, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et merci, merci pour tout ce qui est pour la prière qu'il peut faire ce soir. Alléluia. Et vraiment, nous accorder avec chacun d'entre nous. Et accorder avec tous ceux qui peuvent envoyer ce bain de requête de prière ce soir. Pour cette famille, pour cette même. Et qui je donne le besoin, je peux attendre une intervention de Dieu. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ, alléluia. Et ce soir, Seigneur, nous accorder ensemble avec Manisha. Oui, Seigneur. Manishma, Seigneur, et qui peut demander aussi et prier, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, tout Benjamin qui souffre, qui peut vraiment, Seigneur Dieu, et qui aussi, Seigneur, qui peut souffrir
débat de l'injustice. Oui, Seigneur, et vraiment, Seigneur Dieu, et que nous réalisions combien de personnes peuvent vivre, peuvent subir ben, l'injustice de toute la vie. Et nous prions aussi ben, ceux qui peinent à manger. Et oui, Seigneur Dieu, ben, ceux qui ont un problème, peinent toi, peinent la case. Oui, Seigneur, aussi ben, ceux qui malades, qui vraiment, oui, Seigneur, besoin de la grâce dans toute la vie, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu trouves les cœurs des personnes, Seigneur, qui sont dans cette situation ce soir. Et comment nous pouvons prier depuis tout à l'heure là, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous les cœurs, nous la prions des portières à ces personnes qui ont des difficultés, qui font face, qui subissent une injustice, qui sont malades, et aussi qui peinent toi, qui peuvent attendre. Oui, Seigneur Dieu, qui vraiment sont capables de vivre bien, à l'aise, en paix. Oui, Seigneur, dans la santé, Seigneur Dieu, et aussi ce droit capable d'être respecté, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions toi. Toi, tu trouves toute cette bonne situation-là qui peut arriver de nous, bonnes frères, nos bonnes sœurs, nos bonnes camarades dans le monde, nos bonnes camarades capables de nos familles, Seigneur, capables de ben, des gens qui l'a, des ben, personnes qui a mourissent aussi ailleurs, dans les autres pays. Combien de pays encore nous trouvent de telles situations qui peuvent régner et qui peut manifester dans les familles, dans la vie des personnes, Seigneur Dieu. Et ce soir, entendre nos cris, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Et oui, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et peut-être nous, peut-être ce soir, nous là, nous sa plateforme là, nous pouvons capables vraiment, Seigneur, connecter par Internet. Mais il y a des personnes qui sont capables dans une situation difficile. Je n'ai même pas payé un droit et ou même pas payé car j'ai la chance. Pour capable connecter, Seigneur Dieu, et même prier, pour faire prier pour eux. Mais toi, tu trouves le cœur de ces personnes. Et oui, c'est notre Dieu, qui nous connaît, qui nous prie quand nous peut prier. Et toi, tu l'esprit, Seigneur, est capable d'aller aussi loin qu'il est capable de penser, Seigneur. Oui, Seigneur, il est capable d'entendre aussi loin qu'il est capable de penser, Seigneur. Il est capable de connaître aussi loin qu'il est capable de penser, Seigneur Dieu. Et oui, Seigneur Dieu. Et toutes ces personnes qui, dans une situation difficile, et entendent. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi dans la case, dans la vie, Seigneur, dans notre famille, Seigneur. Oui, Seigneur, et nous comptons toute la grâce, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, et nous prions aussi, Seigneur Dieu, alléluia, qui, oui, Seigneur, ben ceux, Seigneur, notre Dieu, oui, Seigneur, qui adoptent ben mauvais chemin, qui prennent mauvais chemin, peut-être ben enfants, peut-être ton mari, peut-être ton madame, peut-être ton maman, ton papa, peut-être, oui, un proche pour toi, et, ou bien un bon camarade avec toi. Mais ce soir, nous permettons à toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous ne pas connaître qui peut arriver dans notre vie. Peut-être je tellement je stressé, ou bien je perdu le bon repère. Et là, je peux sombrer dans le désespoir et aussi dans ben mauvais chemin, Seigneur Dieu. Ce soir, nous prions, Seigneur Dieu, et pour je, afin que tu fasses, je te retrouve, je. Oui, Seigneur, redonne-je de courage, la force. Redonne-je, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, ça est vraiment comme le fils prodigue a dit, non, pas d'accord, quand les temps ont été. Mon envie sortir, mon envie être délivré. Même ceux qui peuvent dominer par la drogue, par l'alcool. Oui, Seigneur Dieu, combien de familles de trier à cause de cela. Combien, oui, Seigneur, ben, l'avenir peut détruire, ben, jeunes, et ben, familles qui tombent dans le trouble, Seigneur. Et toute la vie vient un martyr, un calvaire, Seigneur. Oui, à cause de ces situations-là, Seigneur. Mais nous prions qu'ils t'entendent le cri de tout un chacun ce soir, qui tout même négatif qui est dans la vie, Seigneur. Et nous prions aussi que, Seigneur, tu es capable et porte la grâce, Seigneur, et tous la famille, Seigneur, Manisma, Seigneur, et aussi qu'ils soient tout capables, vraiment, Seigneur, reconnaître-toi, trouve-toi, et trouve-toi la main puissante aux autres. Nous élevons à toi, et tous ces requêtes à toi, afin que tu aies l'esprit, Seigneur Dieu, oui, Seigneur Dieu, de manifester et tout ce, Seigneur, tire tout ça, man, mauvais esprit là. Tire tout ça, man, l'esprit d'égarement là. Oui, Seigneur, d'autres, la vie, Seigneur Dieu.
et que toi, Seigneur, tu prends contrôle des autres la vie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, alléluia. Oui, Seigneur, pour Joël qui paie des manes. Oui, Seigneur, priez pour ma tante, Seigneur Marie, et qui est malade et qui peut souffrir et qui paie des manes, que Dieu est capable d'accorder la santé, donner la santé dans le nom de Jésus. Seigneur, certainement, nous accorder avec Joël, nous accorder, nous tout qu'il a sur ce plateforme et tous ceux qui peuvent connecter, qui ont même l'équerre de compassion, un équerre d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, comment nous sommes ici, fait prier, Seigneur Dieu. Et aussi, Julie, oui, Seigneur, Lola, Seigneur, qui nous prie, Seigneur Dieu, vraiment avec un équerre, vraiment, Seigneur, pour penser à ces personnes qui, vraiment, dans une détresse, une situation difficile, mais nous croyons dans tout l'amour, dans toute bonté, dans toute compassion, qui tu es la capacité de pouvoir pour te guérir, pour te délivrer. Ton corps te peine changer. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, que ta main puissante qui guérit, Seigneur, ta main puissante qui libère, Seigneur. Oh, Ramakaparchi. Seigneur, ces personnes finissent d'entendre ta parole. Ta parole finit annoncer, finit prêcher ce soir. Et te dire, tu envoies ta parole et ta parole guérit nous. Tu envoies ta parole et ta parole délivre nous, Seigneur. Ce soir, mets-toi la main aux autres et qui vraiment te capable de délivrer. Tout ça, ben, souffrance, te tient, tout ça, ben, souffrance, ben, maladie, là, dans le nom de Jésus. Et nous accorder aussi avec Sabrina. Oui, Seigneur, nous connaît qui, oui, Seigneur, notre Dieu, nous prier qui te pose la main, Seigneur, et te la main, Seigneur. Oui, Seigneur, tous ceux qui peuvent souffrir. Oui, Seigneur Dieu. Et tu es un Dieu grand, tu es un Dieu d'amour. Et comment nous peut-tu nous dire, nous pas peut prier simplement, juste pour ceux qui peut-être finissent gagner l'occasion, puis capable d'envoyer cette peine requête et envoyer les moyens pour capable de dans cet internet, mais non, c'est peut-être qui pas plus capable, Seigneur Dieu, mais nous prier toi, Seigneur. Et ce soir, je viens et comment nous c'est ça pour une paix, nous aussi nous pensons ces personnes, oui, c'est quel que soit ce problème, cette situation. Mais nous, Seigneur, aussi, pour capable de trouver, ouvrir nous les yeux. Oui, Seigneur, ouvrir nous les yeux pour nous trouver autour de nous, Seigneur. Nous pas juste focus sur la vie, Seigneur. Nous ben bien personnel, Seigneur. Mais qui ouvre nous les yeux afin que nous capables de trouver autour de nous ceux qui souffrent, ceux qui ont un problème, Seigneur. Mais manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous prier, Seigneur. Et nous prier aussi comment, Moïline, Seigneur. Et aussi, Pédéman, oui, Seigneur, tu es capable de guérir tous ceux qui peuvent souffrir du cancer. Seigneur, c'est un mal qui peut frapper beaucoup du monde, Seigneur, qui peut frapper beaucoup des hommes et des femmes, Seigneur, et même des enfants. Seigneur, oui, notre Dieu, toi, le Dieu qui est capable de faire toutes les choses, toi, le Dieu qui est suprême, toi, le Dieu qui est tout-puissant, Seigneur, entends-nous bien crier. Seigneur, une envie que ceux qui sont malades, ceux qui peuvent souffrir, comment, oui, dimanche, Seigneur Dieu, incapable de visiter une dame, Seigneur, oui, Seigneur, nous demande-toi, Seigneur, qui peut lutter avec conseil, oui, poumon, Seigneur Dieu, mais nous prions aussi, Seigneur, comment, oui, oui, Seigneur, notre Dieu, moi, peut demander, prier, Seigneur, mais nous prier, qui vraiment, Seigneur Dieu, de la main, de la grâce, est manifestée, et vraiment pour tous. Oui, Seigneur, tous ceux qui peuvent souffrir du cancer, qui se peut faire traitement aussi à Maurice, qui se peut faire traitement à l'extérieur. Oui, Seigneur, même ces malades, ces cancers qu'il y en a dans le monde, Seigneur Dieu. Oui, nous crions toi, Dieu. Sauve-je, fais-je grâce. Oui, Seigneur, tu dis seulement un mot, toi, Seigneur, et je peux trouver guérison, je peux délivrer. Tu jettes simplement le, oui, Seigneur, te présente, souffler les autres. Et ces maladies pour qu'ils aillent aller, Seigneur Dieu, que je puisse être guéri, délivré, Seigneur, parce que ton nom est puissant, Seigneur. Alléluia, puissant ton nom là, Seigneur. Alléluia. Et nous prions, Seigneur Dieu, alléluia. Et tous ceux qui ont un diabète, hypertension, oui, c'est un problème de cœur, oui, ben complication qu'il y a dans l'organe, je ben mange, je ben les os, je ben jointure, et même ceux qui ont un problème gastrique, ulcère. Oui, Seigneur, nous prier, Seigneur, et pour eux, Seigneur, ce soir, et qui te capable de manifester de la grâce,
et guéris toutes ces maladies. Seigneur, nous prions toi afin qu'il m'aide à être libéré de tout ce même fardeau qui pesante les autres. Oui, Seigneur Dieu, qui pécrase. Mais nous prions, Seigneur Dieu, qui te débarrasse des autres, ce même fardeau là, Seigneur. Et toi-même, tu dis notre parole, qui, Seigneur, tu brises ben zouk, Seigneur, au nous. Tu brises ben zouk, et la ben zouk de souffrance, de la maladie. Et la ben zouk de l'inquiétude, Seigneur. Et la ben zouk de la, oui, Seigneur, de la ben difficulté qui est capable de lever, qui peut étouffer nous, qui peut empêcher nous d'aller l'avant. Et nous prier qu'ils t'entendent ces cris de tout un chacun ce soir. Et nous prions aussi, comment Janine demande prier, et alléluia, merci, oui Seigneur, comme je peux dire, vous les refuse toute maladie dans ce lisier, oh oui Seigneur, dans le nom de Jésus, porte la main puissante, le lisier, et nous accorder, et nous connaître, oui Seigneur, c'est un genou de ta parole, tu peux dire cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, ça se fera, quand nous croyons dans le cœur, et nous confessons avec la bouche, nous pouvons y arriver. Ce soir, nous prononçons la guérison de ce lit, de Janine. Oui, Seigneur. Et ce soir, toi aussi, monsieur, tu es capable, mais tu es capable d'ébouter devant cette situation. Pas peur, oui, et devant les circonstances, mais prends l'autorité que Dieu fait mettre à ta disposition, à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous prions toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous prions pour cette guérison totale, alléluia. Et nous prions aussi, Seigneur, comme Stéphanie, précieux Pédéman, oui, Seigneur, merci pour prier pour mes enfants, Rosie, hein, aussi, et pour les enfants, pour gloire à Dieu pour ceux enfants, Rosie, aussi, de Lucas, Seigneur, et aussi sur mari, Percy. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Et Seigneur, si une dame, une maman, une femme, oui, Seigneur, demande, Seigneur, le bien de ses enfants et même de son mari, Seigneur. Et nous prions toi, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur Dieu, qui, oui, Seigneur, nous trouver comment il y en a que sa famille, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu. Et ce soir, nous prions que vraiment, Seigneur, te pas courir, ce qu'il peut demander ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi, Seigneur, oui, Seigneur, écoute-la, vraiment, porte la grâce, Seigneur, toute bonne difficulté, je suis capable de faire face, tout problème de maladie ou ben l'inquiétude, ben problème qui peut lever, Seigneur, nous demande toute la grâce aux autres, au nom de Jésus, et te délivrer. Et nous prions aussi, qui, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui, alléluia, comment Anne Pédéman nous prier pour Marlène, oui, Seigneur, nous prier pour Marlène qui souffre en ce moment. Et nous élève-les à toi, Seigneur. Nous prier, Seigneur, pour Marlène, Seigneur. Nous prier, Seigneur, qui toi, te connais Marlène, te connais, Seigneur Dieu, te connais toute cette souffrance, te connais ce problème en ce moment. Mets de la main au lit, de la grâce au lit, et afin qu'il est capable d'être délivré totalement. Nous pose la main puissante, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous accorder aussi à toutes ces personnes qui, oui, Seigneur, nous connaît, qui, mon Pierre, fin, quitte-nous, fin, sa famille, besoin de consolation. Et peut-être, il y en a beaucoup de personnes encore, qui peuvent mal vivre un deuil, peuvent mal vivre, Seigneur, un père d'un proche, Seigneur, et qui, la tristesse, fin, envahit les autres. Mais nous prier qui, toi, Seigneur, Saint-Esprit, te venir te consoler. Et écoute, là, Seigneur Dieu, et toute la famille, Seigneur Dieu, et qui a flac, Seigneur, sa famille côté était, Seigneur, te pour transformer, redonne-nous le goût, redonne-nous la force, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour continuer dans le nom de Jésus. Et nous prions aussi, Seigneur, oui, porte la grâce, Seigneur Jésus, qui te touche tous ceux aussi qui n'ont pas de problème et au niveau de nerfs, derrière le cou, Seigneur, nous demandons-toi, guéris-nous, Seigneur. Manifeste-toi, les autres, la vie. Et qui vraiment, Seigneur, sa pression qui est capable de sentir et peut-être de causer par ben stress, ben tracas qui peut accumuler, ben soucis qui peut accumuler dans la vie. Oui, Seigneur Dieu, nous prions qu'il te porte la main, Seigneur, ce soir, et te libère ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Et nous prions, toi, Seigneur, qui
toi, Seigneur, pour toute la grâce et de toutes ces personnes qui peuvent vivre dans ce moment-là. Et nous prions aussi tous ceux qui ont un problème, une défaillance rénale, donc guérison, qui peut attendre pour faire un transplant, oui, Seigneur, un rein. Mais toi, tu as la main puissante capable de restaurer et nous élève à toi. Oui, Seigneur, chacun d'entre eux, tous ceux qui peuvent faire ben dialyse, oui, Seigneur, et nous prier pour eux, Seigneur, même ceux qui nous prononcent, nous iras, oui, Martine, Seigneur, et autant d'autres, oui, Seigneur, nous prier que tu intervenir dans cette situation et tu guéris eux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Et vous sentez qu'il y a une forte douleur, là, une forte douleur, là, qui marche au pilote. La main du Seigneur dit tous toi ce soir, dit restaure-toi ce soir. Au rabakabashi d'abaraba, au nom puissant de Jésus, sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous connaît. Tu es à l'écoute de la prière de tes bonnes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle à toutes tes promesses, Seigneur. Tu dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, devant ton trône de grâce, nous continuons à prier, Seigneur. Maëline qui dit à nous, Seigneur, remercie-toi, Seigneur, pour ce guérison dans ce la vie, Seigneur, pour le miracle qui te vient faire. Dans ce la vie, Seigneur, la gloire pour toi, Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, vraiment, avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Nous remercions toi qui t'es un bon Dieu. Tu nous réponds à la prière de Moïline, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur, devine apporte une guérison dans cela vie, Seigneur, car tu es l'Éternel qui guérit le Jéhovah Rapha. Et ce soir, ensemble avec Moïline, nous rends-toi toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce soir, Moïline vient nous prier pour Pierre sur la tête, Seigneur Jésus, Seigneur, nous battons te connaître. Seigneur, quelle est la maladie de Pierre, mais nous culpines devant toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, d'envoyer tes paroles pour guérir Pierre. Envoie tes paroles avec toute sa puissance, Seigneur. La puissance de guérison, cette même puissance que tu guéris la femme qui a une perte de sang. Que dans le nom puissant de Jésus, me commande toute maladie dans le corps de Pierre, me commande sa maladie, la liale. Dans le nom puissant de Jésus, toute maladie qui est dans la tête, me brise maintenant, me commande tout aller. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pose de la main guérissante, Seigneur, aux pieds, Seigneur, envoie tes paroles pour guérir lui, Seigneur. Et Seigneur, vous priez que le miracle, Seigneur, t'es un Dieu de miracle, le Dieu de l'impossible, tu es capable d'accomplir un miracle dans la vie de Pierre, Seigneur, Dieu de puissance. Ce soir, Seigneur, Père Ali, Seigneur, de nous prier, Seigneur, pour te demander pasteur, Seigneur, Dieu de puissance. Seigneur, mon élève, te demande pasteur devant toi, surtout le pasteur Steve, Seigneur, mon pasteur Steve devant toi, Seigneur Jésus. Merci pour de protection divine, l'Oli, Seigneur, de la grâce est surabondée dans la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te donner la force d'un buffle, Seigneur, qui, Seigneur Jésus, qui, Seigneur, te vraiment, Seigneur, te fortifier le corps, âme et esprit. Et Pasteur Steve, il connaît que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci, Seigneur, qui nous sommes un peuple de victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus-Christ. Ce soir, nous prions aussi, Seigneur, pour Sabrina, ce bon enfant, Seigneur, ce bon petit enfant, Seigneur, et les membres de la famille. Seigneur, moi, lève sa famille là, devant toi, Seigneur. Seigneur, moi, prier qu'il te demeure au milieu de la famille, Seigneur. Que la famille ne va pas manquer de l'ennemi, mais de pouvoir à tous les bons besoins, selon la richesse de la gloire. Ce soir, moi, prier pour l'harmonie, l'unité, la paix dans la famille. Moi, prier que toute la famille de Sabrina soit capable, comme toi, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur dans toute la vie, sont capables de reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Que la main bénie les repose aux autres, Seigneur. La grâce de Dieu est surabondée dans toute la vie. Vous priez, Seigneur, pour ces bons enfants, ces bons enfants, qui sont capables de grandir non seulement physiquement, mais spirituellement et moralement, selon le plan parfait qui tient pour eux. Un plan de bonheur et non de malheur. Un plan d'avenir, un plan d'espérance, un plan pour un futur, un plan parfait, Seigneur, qui va être accompli dans la vie de Sabrina. Seigneur, vous priez pour une sœur qui, si souvent des fois, il y a un vertige, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Seigneur, moi, elle me lève, ça, c'est là devant toi, que dans le nom puissant de Jésus, moi, commande ce vertige, tout ce vertige,
Mon commande sa bonne vertige, je dois y aller. Dans le nom puissant de Jésus, mon commande tout vertige dans ce décor, sa vertige, je dois y aller au nom puissant de Jésus. Et mon détruire toute maladie qui est capable de cause sa vertige, là, Seigneur. Seigneur, te restaure sur l'équilibre, Seigneur Jésus. Te restaure sur le tympan, Seigneur. Te redonne sur la force, sur le courage, Seigneur. Remettre la joie dans ce décor, Seigneur. Remettre l'amour dans ce décor, Seigneur, Dieu tout-puissant qui dit. Et pas pour moi, je prends la peur, mais pour moi, je prends la foi, Seigneur. Merci pour ta protection divine, te disant les couverts, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, on passe aussi tous ceux qui peinent capables pour envoyer une requête de prière dans toute la main, tous ceux qui sont malades, Seigneur, que tous les malades seront guéris. Tous ceux qui ne finissent atteints de COVID, Seigneur, te guérissent totalement et complètement, Seigneur Jésus. Et surtout, Seigneur, te garde en bonne santé, couverts par tes ailes, Seigneur Jésus. Toi, notre Dieu tout puissant, toi, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous venons d'arriver à la fin de ce service de guérison de tous les mardis à 8h du soir sur la page Facebook. Nous donnons un rendez-vous mardi prochain, même heure, à 8h du soir. Et monsieur, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et bonne nuit.